Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne pour une toute nouvelle aventure avec One Piece Odyssey. Donc on est un jeu donc qui est sorti hier au moment où je vous parle, donc le 13 janvier 2023. Le jeu a été édité par Bandai Namco, qui sont à l'origine voilà de tous les différents jeux qu'il peut y avoir en termes de manga, que ce soit Dragon Ball, Naruto, des types de jeux comme ça. Donc c'est un style de jeu en JRPG dans lequel on va incarner les différents personnages de l'équipage de Luffy, hormis Jinbe, puisqu'au moment où se déroule, on va dire, cette histoire, Jinbe n'a pas encore rejoint l'équipage. Voilà, donc là c'est une toute nouvelle histoire, donc ça ne relate pas, on va dire, les événements qui se sont passés directement dans le manga, puisque l'histoire de ce jeu a été écrite directement par Eiichiro Oda, donc le créateur de One Piece. Voilà, donc on va découvrir tout cela ensemble. J'espère que ça vous plaira. Voilà. On accepte. Et on accepte à nouveau. Encore une fois. Et ça devrait être bon. Confirmé. Nouvelle aventure. Des liens qui viennent créer de nouveaux souvenirs. Le gouvernement mondial. Alors au début, je vous avais pas pu voir au moment de la vidéo, donc au tout début, il y a une cinématique d'introduction dans laquelle on aperçoit une île au loin, donc qui est l'île de Wofford, comme on vous explique. Île sur laquelle donc apparaît une sorte de faisceau pardon, qui monte vers le ciel. Et du coup, donc vous êtes attiré pour aller donc sur cette île. Vous allez du coup vous faire. Il va y avoir un Ox Stream qui va sortir donc de l'eau et qui va donc nous envoyer dans les airs, et à partir de là, donc en retombant, finalement le bateau s'échoue comme vous pouvez le voir, et les membres de l'équipage sont tous séparés les uns des autres. Voilà vite fait ce qui s'est passé un peu avant le début de la présentation de la vidéo. Là. Oh. 体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや、怖えよ。そんな想像してたのかよ。俺の帽子がね。見つけた時にはなかったな。まいったな。どこに行っちまったんだ。あ。サニー沈んでんじゃねえか。うわあ、危ねえ。なんだ？この島どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。なんだこりゃ。変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。急ぐ。信じがたいけど、雷を凍結させたもののようね。この島、一体昨日のおかしな嵐の時に降ってきた氷みてえだな。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、ゾロとブラックもいないぞ。どうするんだ。
ルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。L'île mystérieuse. Ok. Oh. Ouais, ils sont rigolos, ouais. Le gros truc là-bas derrière. Je sais pas, il est mignon et deux à la fois. Je sais pas trop quoi dire. Ils sont bien faits, les personnages et tout ça. Ouais. Et les images aussi, elles sont jolies. Ouais. Toujours pareil, pensez qu'aux gonzesses. Alors, cherche ton équipage. Ok. Ah. Alors, les objectifs de l'épisode sont affichés en haut à droite de l'écran. Tu peux également les retrouver dans le menu principal. Consulte-les pour connaître la prochaine étape de ton périple. Logique, les missions permettant de progresser dans l'épisode sont indiquées par une icône en rouge. Les objectifs sont indiqués par une icône rouge. Les informations par une icône en forme de bulle de dialogue. Ok. Conseil pour l'aventure. Les personnages indiqués par cette icône donnent des indices sur l'aventure. De plus, ceux indiqués par des icônes rouges donnent des indices sur l'épisode principal. Alors parle à tous ceux que tu croises. D'accord ? Bon. Ah, courir. Je croyais que tu devais rester là pour réparer le bateau, toi. Kono atari ni wa miatarane na. Oka no yatsura no tokoro ni itte miru ka, Luffy. よし、行こう。Là, on explore un peu, on regarde. Ok. Oh, pas mal ça. Le fluide est perceptif. Qu'est-ce que c'est ça? C'est bizarre cette caillasse un peu, non? Ah, on dirait... Ah, purge, comment il s'appelle le Pokémon? Zarbi, ouais. Voilà. On dirait Zarbi, le Pokémon, un peu. C'est la même forme. Sanji, il y a Nami Tachi. Il n'y a pas de Nami. 無事でいてくれよ、ナミさん。すぐに助けに行くからな。Alors, est-ce qu'il y a un système de... D'accord, ok. Niveau 40 déjà ? D'accord. Info. Bon, ça de toute façon on regardera. Là il y a la carte. Les points de sauvegarde, campement, les objets. Il y a quoi? Utilisables, matériaux, importants. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Épisode. Ouais, bon, ça c'est en gros toutes les informations relatives à l'histoire. Et les paramètres, les options. この辺りにも流れ着いていないようね。みんな全身バラバラに砕け散っていないといいけど。雷雲もない空から落雷。
考えられない現象ね。一体どういうことかしら。でも今はみんなを探すことが先決ね。行きましょう、ルフィ。この辺、かすかに波の匂いがするぞ。本当か、チョッパ。波の匂いはこの洞窟に続いてる。俺たちより先に流れ着いてたのか。ナミさん、今行くからね。よし、行くぞ。Alors, la grotte littorale. Bon, ça c'est le premier point de sauvegarde. Voilà, les points de sauvegarde enregistrent ta progression, restaure la santé, le groupe est KO, tu reprendras la partie au point de sauvegarde. N'oublie donc pas de sauvegarder fréquemment pour enregistrer ta progression dans les épisodes. Bon, ça c'est la classique, hein. Ils me font toujours marrer, eux. Oula! C'est gorille pervers, lui aussi, je pense. Alors, son ami de la bête. Demoiselle en détresse. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là ? Ok. Ah, utiliser L2 R2 pour viser et tirer, pour utiliser le Gom Gom Rocket pour rejoindre une zone éloignée. Permet de progresser dans les zones qui sont bloquées, regarde aux alentours et cherche un endroit à attraper. Oh oh. D'accord, ok. Je pensais que j'allais me balancer avec, mais... Ouais, bon, sans sauter, la classique. Non. De nombreux objets n'attendent que d'être ramassés. Si tu repères un objet brillant, ramasse-le avec rond. Les barils, les pots et les boîtes en surbrillance peuvent être détruits. Ils contiennent des objets, alors détruis tout ce que tu trouves. Qu'est-ce que c'est, cette horreur ? Oui, sur I2. Oh, c'est pas mal ça. Ouais, c'est vraiment, vraiment vrai RPG quoi, avec l'animation d'avant combat et tout ça. Non, franchement, c'est cool ça. Je préfère largement un jeu, voilà, je préfère largement un jeu, on va dire comme celui-là, avec style, voilà, JRPG avec tes personnages, à tes combats, avec tes personnages que tu vas pouvoir incarner en faisant des actions. Un peu, voilà, comme un RPG, on va dire classique. Plutôt que les styles de jeu de One Piece précédents, où c'était genre des beat'em all, là, où tu tapais tout ce qui bougeait, tu avais des vagues et des vagues d'ennemis, là, qui t'arrivaient dessus, à tire-larigot, que franchement, ah, c'est bon, au bout d'un moment, c'est lourd, quoi. Quand tu fais que taper toutes les vagues qui arrivent et tout ça, pff, voilà, non, franchement, moi, je préfère ce type de jeu, là, je trouve que cette façon, on va dire, de partir là-dessus, je pense qu'il faut qu'il continue, parce que...
C'est franchement quelque chose de beaucoup plus intéressant et c'est même beaucoup plus construit, c'est beaucoup plus pensé. Ça demande aussi de la stratégie, de la tactique. Voilà, je pense qu'il va y avoir dans les combats des systèmes, peut-être avec des personnages qui vont être plus forts par rapport à d'autres ennemis, par rapport à tel ou tel type d'ennemi, voilà, avec chacun ses affinités, chacun ses inconvénients. Voilà, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et le fait de pouvoir également incarner donc tous les personnages, l'équipage de Luffy, également, ça aussi c'est intéressant. À l'époque, tu jouais toujours qu'avec Luffy. Certes, c'est le personnage phare, mais les autres personnages, ils avaient aussi leur importance, sauf que tu les voyais que comme des PNJ. Genre, tu arrivais, tu venais leur parler, les mecs, après, d'un coup, tu continues ton histoire, mais jamais tu pouvais incarner Sanji, Zoro, etc. Voilà, donc ça, c'est sûr que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant. Voilà, donc ça, c'est sûr que c'est le genre de jeu qui va vraiment me plaire. Voilà. Attaque. Alors, les commandes au combat. Ok. Alors, les combats se déroulent sur plusieurs zones. Ton équipage peut être placé dans la même zone que tes ennemis ou bien des zones différentes. D'accord ? Dépense tes points de tension, d'accord ? Pour utiliser des compétences puissantes. Une partie de tes points de tension est restaurée lorsque tu attaques des ennemis au début du combat. Tu conserves les points de tension accumulés entre deux combats. D'accord ? Donc on repartira pas à zéro. La jauge près de l'icône d'un ennemi indique son ordre d'action. Lorsque tous les voyants sont allumés, c'est au tour de cet ennemi d'agir. Ouais, donc, il y aura 13 de dégâts, il va pas me faire bien mal. Ah. Ouais, bah après Usopp, c'est pas non plus le... Il est pas là non plus pour encaisser les attaques généralement. Oh, pourquoi tu fais pas de dégâts mieux? Ça, dîner no junbi ni torikakaru to suru ka. Ouais, tu as un système un peu de formation avec des mecs que tu mets devant, sur le côté, ou des mecs que tu mets derrière en retrait, en soutien, et des mecs que tu mets devant pour attaquer. Ça, c'est bien, ça aussi. Bah, Usopp, c'est pas le genre de mec que généralement tu vas mettre en première ligne, quoi. Il est pas là non plus, elle a pas le même rôle que Luffy ou Zoro, par exemple. Encore ? Il y a pas mal l'animation et tout ça, là, avant le combat. D'accord, donc tu as même un système de compétences, ok. Certaines compétences peuvent cibler un ou plusieurs ennemis. Sélectionne une compétence pour consulter ses effets. Donc compétence, rafale. Technique qui déchaîne un barrage de nombreux coups de poing. Gun. Le Gatling Gun. Ah, c'est la meilleure, ça. Ah, celle-là, pour moi, c'est une des meilleures techniques de Luffy, ça. Oh, qu'est-ce que c'est ce gros truc là? Chopper, quoi? Ah merde, Usopp est victime de paralysie, d'accord ? Alors l'ennemi se regroupe, libère la zone de Usopp avant que Usopp ne tombe KO. D'accord ?
Alors, les mises en scène peuvent être activées en remplissant certaines conditions au cours des mises en scène. L'attaque de l'ennemi ou les dégâts qu'il subit peuvent augmenter. Lorsqu'il ne reste aucun ennemi dans ta zone, tu peux attaquer un ennemi d'une autre zone pour la rejoindre. Ah ouais, d'accord, ok. Ah mais faut arrêter d'attaquer toujours le même. C'est lui là qu'il faudrait que je tue là. Ah. できてんだろうな。ボイ、ルフィ、qu'est-ce qu'il fait là ? On peut savoir ? その力見せてやる。Ah ben voilà, enfin. Qu'est-ce qu'il a un peu lui? Alors, frappe la cible sur tout le corps et culmine avec un puissant coup de pied arrière, un puissant vise d'épaule de la cible. Bondi vers l'avant pour asséner un puissant coup de pied sauté. Ah, après c'est beaucoup des attaques un seul ennemi quoi. Ah non, il y a celle-là, tiens. T'as un cadeau. Party table, kick course. ところだったあの鳥のくちばしねいや怖いわロビンは toujours là pour rassurer こっちで合ってんのかうん何の匂いがしてる du coup il y a un système de un système de soins de trucs comme ça ok。Ah ouais d'accord ok, il n'y a vraiment pas de soin quoi, genre le mec était mort quoi. Koko o noboru no ka yo. Nami-san wa kono saki da. Iku zo. Alors, on va juste regarder un truc. Ah oui, ok, je peux. Et comment je fais si par exemple je veux switcher, imaginons que je veuille Franky à la place de Robin par exemple. Ouais mais ça c'est les infos, ça c'est bien ça, voilà, t'as les informations avec la force technique, les trucs comme ça. Mais moi ce que je veux c'est pouvoir modifier notamment la formation de mon équipage. Peut-être là-dedans, menu, carte. Non. Ah, il y a quand même un truc, non, pour modifier la formation. Non. Peut-être pas pour le moment. De quoi soigner, pas mal. La chance qu'on va se faire attaquer. Non, je m'attendais à me faire sauter dessus par la limite.
Ah, je sais que c'est pas par là, je voulais juste aller voir un peu ce qu'il y avait. C'est dommage ça, que tu puisses pas explorer pour l'instant librement, peut-être plus tard, mais... Bon, je pense que ça va être le premier boss, hein. ナミさんに手出しやがったら下ろすぞクソゴリラ。おらら。なんだまたかよ。時計猿。ある。こっちにも。ハサミ打ちか。上等だ。どかねえならぶっ飛ばしていくぞ。 Ah, alors les types efficaces, d'accord. Alors, la force est efficace contre la vitesse, qui elle-même est efficace contre la technique, et la technique contre la force. D'accord, donc rouge, orange et vert. Ouais, un peu comme un système de feu, quoi. Les attaques normales peuvent posséder le type force, vitesse ou technique, chacun des types est plus ou moins efficace et compagnie, donc ça on a pu le voir. Dégâts plus, dégâts moins, l'efficacité d'une compétence est affichée sur l'icône de l'ennemi. Il consulte l'icône de l'ennemi située dans la partie gauche de l'écran pour vérifier l'efficacité. Remplace les membres de ton équipage au combat en appuyant sur triangle. Ah ben voilà, sélectionne un membre de l'équipage efficace contre le type d'ennemi que tu affrontes. D'accord, ok, je peux changer directement comme ça. Alors... donc là non, là c'est pas efficace. Donc là du coup on va prendre plutôt, voilà, plutôt ça. Non, là je confirme et remplacer. Voilà, normalement. Alors, là-bas. Bon, là, c'est égalité, quoi. Après, le fusil est bourrin, hein. C'est dommage déjà de commencer niveau 40, non? Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, mais... Je sais pas, j'aurais préféré commencer à la limite comme un Final Fantasy, genre un niveau 5, un truc allez, classique, niveau 1, niveau 5, des trucs de base, quoi, avec des stats de base. Même si tu as tes limites, on va dire, allez, peut-être à niveau 50, pourquoi pas, ou tel niveau, ou 30, imaginons au maximum, je trouve c'est un peu dommage, de démarrer à 40 avec déjà des stats un peu augmentées. Bon, c'est peut-être le côté un peu négatif, à voir après ce que l'histoire nous réserve, mais... Ah, j'en connais un qui s'est fait trancher. Bah, il manque toujours Brook, les gars. Oh là là, il est encore accompagné de trucs lui aussi. Alors, soigne Nami à hauteur de 25% de ses points de vie. Alors, objet. Nami, sois!
これ受け取って。Ah ouais. Alors lorsque c'est au tour de ton équipage d'attaquer, tu peux sélectionner le personnage qui agira en premier à l'aide de L1 ou R1. D'accord, ok, consulte l'ordre d'action de l'ennemi pour choisir le personnage qui agira en premier. D'accord, ok, ah c'est pas mal ça, ce côté là. C'est quoi lui? Vitesse? Non, c'est pas fameux ça. Alors, commence par les ennemis aux jauges les plus remplies. Choisis les membres de l'équipage au type efficace. Utilise les compétences adaptées au nombre de cibles. Ouais, la classique quoi. Ouais, si on peut déjà se débarrasser un peu de quelques-uns, c'est pas mal aussi. Du coup... Non. Alors, triangle. Remplacer. Ah d'accord, lui il peut soigner, ok d'accord. Restore pas mal, sabot d'acier. D'accord, ok, restore 70% de tous les membres de l'équipage dans la même zone. Pas mal. Alors, attaquer. Bon, ça va, 230 ça doit aller. Alors, non. Non. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? 2009, 2007, le but du jeu, ça va faire des dégâts là. T'as pour un peu le... Et du coup, est-ce qu'il y a le... Ah merde. Ah, avec lui, pour l'instant, je peux pas attaquer. Non, donc lui, c'est pas efficace. Donc, contre lui, il faut que j'utilise du vert. Donc, on va faire ça. On va remplacer. Par contre, il n'y a pas de... Ouais, pff, Nico Robin. Allez, go. Ah, il a perdu connaissance. J'ai envie de voir un peu les techniques un peu, hein, juste pour se faire plaisir un peu. Allez, joli ça là. Qu'est-ce qu'on a de beau là? Y a pas le Gear Free? Non? D'accord, donc là pour l'instant tu es limité au 2. Bon, peut-être plus tard avec le 3 si on débloque des compétences, des trucs comme ça. A voir. Système un peu genre.
à la Dragon Ball, là, quand tu déverrouillais des. Quand tu acquérais. Oula, je vais arriver. Quand tu obtenais des compétences et tout ça, qu'après tu pouvais améliorer sur tes personnages en leur donnant genre des capsules et tout, là, il y aura peut-être un système de trucs comme ça, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a là Ouais, coup de pied dans la tronche. Ça, là, est pas mal de technique. Ça, là, elle est stylée, ça, là. Ah, c'est ça, là, ouais. Santoru! Ah, pas beaucoup de technique par contre, Nico Robin. Qui on va mettre un peu tôt. Et Sanji, qu'est-ce qu'il a Usopp, qu'est-ce qu'il a un peu en termes de technique? Moi j'aime bien les trucs, la plante de piranha, les trucs comme ça là. Comment ça s'appelle déjà? Non, ça c'est le truc de la flamme là. Il n'y a pas la bille explosive. Non. Ça doit être le marteau. Ah non, le marteau il est là. Bille incendiaire. Explosion, pilon. Ouais, ça, c'est le phénix, ouais. Tarte de banana croco. Ah, fonction combat accéléré maintenant disponible. さすがロビンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。 聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。どこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。え、ブロック、ブロックとモンさん夫。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あ、お前ね。どこにいるんだ。いや。皆さん。 Il a fait le mort lui non? どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で私骸骨だから肉ないんですけど。この辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。 海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。いや、恐れ入ります。あ、ニューオーパーソナージュ。まさかあれが海賊。ça t'a pas perturbé le pavillon?
sur le bateau. Ça n'a pas mis sur la route, non ? ことの起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい順調に航海を進めていた。見ろよ、あの島、でけえ塔がいっぱい立ってる。Ah, c'est bien, ça nous remontre la cinématique que j'avais pas pu vous montrer au tout début là. Alors ça c'est ce qu'on voyait au tout début du jeu là quand on le lance. あの男は島に着いたのか。間もなくだ。急がせる必要があるな。あの一味にはニコロビンがいるのだ。Chapitre 1 L'île des tempêtes。流れ着いてすぐこの浜よ。でもその後すぐにあのゴリラに捕まっちゃったから、女の子がどこに行ったのかわからなくて。じゃあ島にはあるんだな。ありがとう。よし、探しに行くぞ。Trouve le chapeau de paille。この岩、飛んできたサニーの怒りで崩れたみたいだな。ん？岩の隙間から風が吹いてる。この岩、切るか。ここから島の奥に行けそうね。よし。La forêt sud. Non, c'est bien ça, ouais, niveau 40, niveau 41. Ouais, voilà, on est vraiment dans le chapitre 1, déjà niveau 40. Bon, ben, du coup, on va s'arrêter là. Donc, pour cet épisode, voilà, ça sera l'épisode introductif. On démarrera, du coup, pour la suite avec donc le chapitre 1 ayant pour mission donc de récupérer le chapeau de Luffy. Voilà, donc franchement, ouais, le jeu est, ben, il est plaisant, vraiment. Voilà, le jeu est plaisant, les images sont magnifiques, l'univers est joli, c'est une nouvelle histoire, c'est écrit directement donc, par Eiichiro Oda, comme j'avais dit. Voilà, donc il y a vraiment tout pour plaire aux fanservice de One Piece. Voilà, donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est vraiment bien. Après, à voir voilà, ce que nous réservera le jeu au fur et à mesure de l'aventure. Le côté, comme je disais, JRPG également, avec ce
avec un système de combat voilà, où tu affrontes avec ces systèmes de faiblesse, d'ennemis, affinités, inconvénients et tout ça. Ça également c'est plaisant, ça change un peu des anciens trucs comme on avait pu connaître dans les précédents jeux de la licence. Voilà, avec ce côté où tu avais ces vagues d'ennemis éliminés les uns à la suite des autres, qui rendait le jeu un peu répétitif. Le fait également voilà, que tu puisses utiliser les différents personnages de l'équipage tout en utilisant leurs différentes techniques signatures, ça aussi c'est quand même assez plaisant. On a pu voir que les techniques en termes de cinématiques sont quand même assez joliment réalisées, notamment là, celle de Chopper là, quand il se transforme. Non, vraiment, en tout cas, c'est... Ben, je suis vraiment content, voilà. En plus, j'adore l'univers de One Piece. Je suis à jour, on va dire, de toute l'histoire pour l'instant. Voilà, donc c'est vrai que je suis content de retrouver un tel jeu, une nouveauté, on va dire, une façon nouvelle, on va dire, de redécouvrir de tels jeux avec cet épisode donc, de One Piece Odyssey. Ben, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, de dire ce que vous en pensez également, si ça vous donne envie de le faire, si vous l'avez déjà attaqué vous aussi, bon il est récent, il est sorti hier, voilà, de laisser les commentaires, les avis, tout ça que vous pensez sur le jeu, et je vous dis du coup à la prochaine donc sur la chaîne pour la suite de One Piece. Ciao ciao !